dois protéger tout le monde. Fiers et vaillants soldats d'Hyrule, le royaume est à présent menacé par un danger comme il n'en a jamais vu. Voilà déjà plusieurs années qu'une prophétie a annoncé la résurrection du fléau Ganon. Nous avons déterré les créatures divines et nos recherches sur les reliques ont bien progressé. Cependant, nous sommes bien loin d'être suffisamment préparés. Les monstres pullulent aux quatre coins du royaume, comme jamais auparavant. Les griffes de l'ennemi se rapprochent même du château d'Hyrule. Commençons par chasser les monstres qui infestent la plaine. Ce sera la première étape de nos nouveaux préparatifs pour affronter le fléau. Courage, soldats d'Hyrule. À présent, à l'attaque! Hey!
Qu'est-ce que c'est ?
je m'en occupe. Avec les bombes à distance. Oh!
bombes à distance? Je vais vous punir. Thank you.
un mystérieux gardien. Une mystérieuse tour. J'ai beau réfléchir, je n'y comprends rien du tout. Mais qu'est-ce qui lui prend ? Soldats, vous avez fait du très bon travail. Oh. Ah, te voilà. Tu es saine et sauve. Les déesses sont louées. Oui, votre Altesse. Je vous apporte la tablette Sheikah de la part de Kua. Le gardien avait projeté un message sur la tablette Sheikah. Il y expliquait qu'il avait remonté le temps depuis le cœur même du fléau afin de sauver Zelda. Impa suggéra de charger les chercheurs en reliques, Prua et Pharas, d'étudier ce gardien, ainsi que la tour qui était soudainement apparue dans la plaine. Et le roi d'Hyrule approuva cette demande. Je me demande bien pourquoi il me suit partout comme ça. Qu'est-ce que tu es au juste, hein? J'imagine que tant que Pharas ne l'aura pas analysé au laboratoire, on n'en saura pas plus. Vous avez raison, votre Altesse. Ce gardien vous a-t-il attaqué? Et maintenant, voilà des monstres! Hey!
Yeah!
avec Polaris? Avec Polaris? Vous allez périr! Non! Thank you.
Link! Ah!
s'en occupe. Votre Altesse, compte sur moi.
Il utilise une énergie antique et une technologie encore inconnue. En d'autres termes, ceci est un type de gardien tout nouveau comme je n'en avais encore jamais vu. Sa capacité à amplifier la puissance des reliques comme la tablette Sheikah n'est qu'une application de cette technologie. Je vois. C'est pour ça que même nous, avec la tablette Sheikah, nous avons pu... Il y a plus. Il renferme aussi une quantité
d'informations, dépassant de loin les limites de notre imaginaire. Coucou! Whistiti! J'ai essayé de récupérer quelques-unes des images enregistrées dans ce gardien. Oui, ça ne fait aucun doute. Ça ne peut être que le château d'Hyrule tout de suite après la résurrection du fléau. Même si nous avons pu en extraire des informations, une grande partie des données était corrompue. Cependant, si je continue à les analyser, je pourrais peut-être en apprendre davantage. Voilà donc ce qu'il adviendra de notre royaume quand renaîtra le fléau. Si cela devait se produire, nous ne pourrions plus rien faire pour Hyrule. J'ai peur que les mesures que nous avions envisagées jusqu'ici ne soient pas suffisantes. Si jamais je ne parviens pas à sceller le fléau... Non. Je dois à tout prix empêcher cela. Afin d'être en mesure de sceller le fléau Ganon, il allait falloir réunir la lame purificatrice, le pouvoir du sceau que possède la princesse d'Hyrule, ainsi que la puissance des quatre créatures divines qui avaient été déterrées aux quatre coins du royaume. Mais la forêt Korogu, où repose la lame purificatrice, était tombée aux mains des monstres, tandis que le pouvoir de Zelda, la princesse d'Hyrule, ne montrait aucun signe d'éveil. Préoccupé par la situation, le roi décida qu'il fallait au plus vite réunir les pilotes des créatures divines. Il dépêcha, auprès des candidats choisis parmi leurs peuples respectifs, sa fille Zelda et Link, promu chevalier servant de la princesse, suite à la bravoure dont il avait fait preuve. Comptez-vous vous promener partout avec cette relique suspecte? Oui. Après en avoir discuté avec Proa et Pharas, nous avons jugé que c'était préférable. Je ne vous le dirai qu'une seule fois. Votre devoir doit être votre seule et unique priorité. Est-ce clair? Je suis consciente du rôle que j'ai à jouer, père. Je le remplirai sans faillir.